Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur ces très belles images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en détail et dans son ensemble. Des images qui prennent leur sens particulièrement aujourd'hui ou exceptionnellement après l'office des Vêpres que nous venons de prier ensemble. Nous allons suivre en direct la messe dans quelques instants. Messe un peu particulière, solennelle aujourd'hui, puisque en ce 16 juin, c'est la fête de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors la dédicace, c'est tout simplement la cérémonie qui consacre une église comme lieu de culte et de prière. C'est là que le bâtiment devient véritablement maison de Dieu et demeure des hommes. Et donc, commémorer la dédicace, c'est se rappeler la vocation de ce lieu que nous admirons en ce moment. Vocation comme lieu de rassemblement du peuple chrétien, lieu d'où s'élèvent ses prières vers le ciel. Comme tout à l'heure l'office des Vêpres, la messe sera célébrée en présence des chanoines du chapitre de la cathédrale et la messe, dans quelques instants, sera présidée par l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Eugénie de Jésus, la fondatrice des religieuses de l'Assomption, pour entrer dans cette fête de la dédicace qui s'adressait à ces religieuses. Cette fête, disait-elle, doit être particulièrement chère à une religieuse car c'est la fête de l'Église dont nos temples ne sont que l'image de cette épouse de Jésus, belle, pure, immaculée. Au ciel seulement, nous pourrons dignement apprécier l'honneur de porter le nom d'épouse de Jésus, honneur que les anges nous envient. Soyons donc comme l'Église des épouses fidèles. Souvenons-nous aussi, écrivait Mère Marie-Eugénie de Jésus, que les chrétiens sont les pierres vivantes de l'Église, que pour entrer dans le plan du divin architecte, ces pierres doivent être façonnées et taillées par le marteau des souffrances. Sur la fête de la dédicace des églises, en rappelant à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous fêtons aujourd'hui la dédicace de Notre-Dame de Paris. Et la messe dans laquelle nous nous préparons à entrer est présidée par le cardinal archevêque André XXIII, avec les chanoines du chapitre de la cathédrale. Et si vous voulez suivre cette célébration avec nous, précision sur les lectures de la liturgie de la parole. Première lecture dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, les versets 9 à 14. Puis nous chanterons le psaume 83, « Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ». La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, allez vers le Seigneur Jésus, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée mais que Dieu a choisie. L'évangile sera proclamé dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10.
les versets 22 à 30, c'est l'évangile de la dédicace du temple célébré à Jérusalem. Et puis, particularité de la messe de ce jour, à l'issue de la célébration, les célébrants, les prêtres du diocèse de Paris, venus nombreux ce soir, se rendront en procession vers la chapelle capitulaire et iront vénérer la couronne d'épines. Membre du presbytérium diocésain que vous découvrez sur ces images, et nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux d'être rassemblés aujourd'hui dans cette cathédrale dont nous fêtons l'anniversaire de la dédicace. Comme vous le voyez, les cierges ont été allumés en face des croix qui ont marqué le lieu où le Saint-Crème a été imposé pour consacrer cette église. Et je suis heureux de célébrer cette fête avec le chapitre de la cathédrale, de ses chanoines et un nombre important de prêtres qui sont venus se joindre à cette prière pour marquer cette année la fin de l'année sacerdotale. Nous avons proposé à ceux qui le souhaitent de venir vénérer la couronne d'épines, ce que nous ferons après la célébration de l'Eucharistie. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis.
excelsis Deo. Seigneur, au jour où notre église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous par son intercession de constituer un peuple saint dont le culte te rende gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait : Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute montagne, muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant le nom des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Frères, allez vers le Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit : La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia,
maison du Seigneur, celui qui demande recevra, celui qui cherche trouvera, pour celui qui frappe la porte s'ouvrira. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du Temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent auprès de lui. Ils lui disaient : Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le ouvertement. Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Ce que le Père m'a donné vaut plus que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, si belle que fut Jérusalem, si imposant que fut le temple dont on célébrait la dédicace, il ne supportait pas la comparaison avec la vision de la cité sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Si belles que soient nos églises et notre cathédrale, où nous célébrons cette fête de la dédicace est parmi les plus belles. Si artistiquement aménagée et enrichie au cours des siècles, si profondément habitée, investie par la prière de générations de fidèles qui s'y sont succédés, si largement visitée par tant de curieux au cours de l'année, elle ne soutient pas non plus la comparaison avec la Jérusalem céleste qui vient d'auprès de Dieu. Car cette cité sainte, ouverte aux quatre points cardinaux, comme signe de l'ouverture de l'alliance d'Israël avec les peuples du monde, fondée sur les 12 apôtres et incluant le nom des 12 tribus d'Israël, est évidemment présentée par le voyant de l'Apocalypse comme une figure de l'Église, mais non pas comme une figure de nos bâtiments ecclésiaux, mais comme une figure
de l'Église qui est le peuple que Dieu choisit, qu'il fonde sur les 12 apôtres et qu'il ouvre à l'universalité du monde. Cette Église, appuyée sur la pierre angulaire qui est le Christ, composée de la foule innombrable des disciples du Seigneur, baptisés et confirmés dans l'Esprit Saint, structurée par les charismes, les missions et les ordres qui l'organisent, les hommes et les femmes consacrés, les diacres, les prêtres, les évêques. Ce peuple immense, structuré pour mener à bien la mission du Christ à travers les âges, nous en sommes aujourd'hui un petit échantillon, une modeste réalisation pour ce temps qui est le nôtre. Et cependant, ce peuple nouveau, engendré par la vie qui s'échappait du cœur percé du Christ et consacré par le don que l'Esprit est venu réaliser au jour de la Pentecôte, ce peuple nouveau qui vit de la communion du Père et du Fils, à laquelle il participe par l'Esprit Saint, ce peuple nouveau qui est constitué pour accomplir l'œuvre de Dieu en ce temps, comme l'Évangile de Saint Jean nous le rappelle, ne peut subsister en dehors de l'expérience de la réalité sacramentelle. Il n'est pas simplement une communion virtuelle ou une communion invisible qui rassemblerait une multitude de personnes qui ont fait un choix individuel et dont chacune conduit sa vie selon qu'il l'entend. Quand l'épître de Pierre nous appelle à devenir des pierres vivantes dans la pierre vivante qui est le Christ, il nous invite évidemment à entrer dans une construction architecturale qui exclut de toute façon que les destinées personnelles puissent se conduire indépendamment de la communion qui construit l'Église. C'est ainsi que une multitude d'hommes et de femmes ont été conduits sur le chemin de la sainteté à travers les siècles, non pas parce qu'ils étaient particulièrement exceptionnels, mais parce qu'ils ont découvert que l'accomplissement de leur potentialité, de leur personnalité, ne pouvait se réaliser pleinement que dans la communion intime avec le Christ et dans la communion permanente et dynamique avec le corps ecclésial. Ainsi, nos églises ne sont pas simplement des bâtiments imaginés pour la commodité du rassemblement, auxquels suffisaient d'ailleurs dans l'Antiquité les bâtiments publics qui n'avaient pas été conçus à cet effet, et auquel suffirait aujourd'hui la location de quelques salles ici ou là. Si notre expérience séculaire a défini peu à peu une identité spécifique du bâtiment ecclésial, c'est précisément dans la mesure où l'exercice de la vie ecclésiale s'accomplit dans un geste sacramentel qui doit donner quelque chose à voir de la réalité invisible qu'il signifie.
la réalité invisible, c'est notre communion dans la vie trinitaire, c'est notre organisation autour de la personne du Christ, c'est la mission qu'il nous confie de figurer en ce monde la pierre de fondation de l'existence humaine. Cette réalité invisible, elle devient visible à nos yeux par le rassemblement du peuple chrétien, non seulement dans des lieux commodes, mais dans des lieux signifiants du sens de l'Église, centrée tout entière sur l'autel qui figure le Christ et qui est le centre visuel et mystique de l'Assemblée réunie, rassemblée aussi dans l'expérience de l'interdépendance entre la fidélité personnelle à l'Évangile et la progression du peuple de Dieu. C'est cette expérience que nos églises nous permettent de vivre et de rendre visible au milieu de la cité. C'est pourquoi nous les consacrons non pas comme un lieu interdit, mais plutôt comme un lieu ouvert qui appelle tous les hommes à découvrir l'alliance proposée par Dieu et qui fournit les moyens d'y entrer et d'y vivre. C'est évidemment non seulement une représentation architecturale et esthétique qui nous est proposée, mais aussi une représentation du sens de l'existence chrétienne et de la vie que nous sommes appelés à mener au milieu des hommes. Tout entier centré sur la communion au Christ, notre existence est ouverte à l'universalité du genre humain, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, pour témoigner au milieu des hommes de la bonne nouvelle offerte en Jésus-Christ, pour apporter le signe de la communion qui existe entre le Père et le Fils, et que le Fils étend à ceux qui croient en lui par le don de son Esprit, pour manifester comment cette foi en Dieu et cette écoute de la parole de Dieu nourrie du pain de vie donne à des hommes et à des femmes tout à fait ordinaires de mener une vie qui prend une forme exemplaire par leur fidélité au commandement de Dieu, par leur fidélité au commandement de l'amour, par leur implication dans le service de leurs frères. Frères et sœurs, en célébrant la fête de la dédicace, c'est cet hommage que nous rendons non pas au bâtiment de pierre, mais au peuple de Dieu, dont le bâtiment de pierre n'est que la vision symbolique, mais dont la vocation est représentée dans le bâtiment par le Christ, pierre angulaire, présence réelle et active de la communion de l'amour pour tous les hommes. Amen.
Voilà, je profite de cette célébration de la fête de la dédicace de la cathédrale pour remettre leur croix aux clercs qui ne l'ont pas encore reçue. Je vous invite tous à prier. Seigneur, tu as voulu que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Nous t'en prions, bénis ces croix de clercs et ceux qui les porteront pour le service de l'autel en notre cathédrale Notre-Dame. Benoît-Marie, Charles-Édouard, Clément, David, François-Xavier, Henri, Louis-Marie, Pierre-Luc et Quentin. Qu'ils marchent chaque jour à la suite du Christ en portant cette croix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ce moment particulier de la remise de leur croix au nouveau clerc de la cathédrale avec la possession des offrandes. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tandis que nous rappelons devant toi le jour où tu as fait de notre Église cathédrale le lieu de ta gloire et de ta sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit agréable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans cette maison que tu nous as donnée,
tu accueilles le peuple qui marche vers toi. Tu nous ouvres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ. Et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce en chantant. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons l'anniversaire de la dédicace de cette Église en ce jour où tu l'as consacrée et remplie de ta présence. Par le Christ, Seigneur et chef de ton Église, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Xavier de Tarragon, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, dans quelques instants, après la bénédiction finale, nous partirons en procession, nous, c'est-à-dire l'archevêque, les évêques, les chanoines, les prêtres, les diacres, les séminaristes, et nos chers chevaliers du Saint-Sépulcre, les dames, pour aller vénérer de manière exceptionnelle la couronne d'épines. Ceux qui veulent pourront prendre part à la procession après, en suivant, mais ne vénéreront pas. Donc c'est simplement ce soir pour les prêtres, diacres et séminaristes. Merci de votre compréhension et nous chanterons tous ensemble avec le papier que vous avez avec vous. Merci, nous nous levons pour terminer notre prière. Seigneur, tu as voulu que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour près de la Sainte Vierge Marie dans la demeure de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Les reliques de la Passion présentées maintenant à Notre-Dame de Paris sont un morceau de la croix conservé à Rome et ramené par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Un clou de la Passion, enfin la Sainte Couronne d'épines. Parmi ces reliques, la Sainte Couronne est sans doute la plus précieuse, la plus vénérée. Saint Jean rappelle en effet que les soldats romains, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant, pour ainsi dire, d'une couronne garnie d'épines, Jean 19, 12. Or, la couronne déposée à la cathédrale Notre-Dame de Paris est un cercle de joncs tressés de 21 cm de diamètre dans lequel étaient placées, plantées, de longues et dures épines. Ces épines ont été dispersées au cours des siècles par les dons effectués soit par les empereurs de Byzance, soit par les rois de France. On en compte 70 de même nature qui toutes s'en affirment originaires. L'allusion faite à la couronne d'épines et aux instruments de la Passion du Christ pendant les persécutions des premiers siècles n'est peut-être pas décisive, mais déjà en 409, saint Paulin de Nôles la mentionne parmi les reliques de la basilique du Mont Sillon à Jérusalem. Et ce sont ces reliques qui sont transférées à Byzance dans la chapelle impériale pour les mettre à l'abri de pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin. En grande difficulté financière, il décide de mettre les reliques en gage auprès des banquiers vénitiens pour en obtenir des crédits. Saint Louis, roi de France, intervient alors, dédommage les Vénitiens et en 1239 accueille solennellement les cinq reliques de Paris à Paris, où pour les conserver, il édifie un reliquaire à leur mesure, la Sainte Chapelle. Après la Révolution, les saintes reliques sont confiées aux chanoines du chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis placées sous la garde statutaire des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Ce sont donc les chanoines qui les présentent et les chevaliers qui les gardent. Cette présentation fidèle a lieu, vous le savez, le premier vendredi de chaque mois, tous les vendredis de carême, au cours du chemin de croix et le vendredi saint de chaque année.
Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du Christ. Mets en nous le feu dont brûle son cœur. Nous lui ressemblerons alors davantage et nous pourrons entrer dans le bonheur qu'il nous a mérité pour toujours. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filii, a te suspiramus, gementes et voilà, ainsi s'achève ce rendez-vous à la fête de la dédicace de Notre-Dame de Paris, anniversaire de la cathédrale, hommage au bâtiment qui symbolise le peuple de Dieu, a rappelé le cardinal archevêque de Paris en soulignant « Si belle que fut Jérusalem, si imposant que fut le temple, il ne supportait pas la comparaison avec la vision de la cité sainte ». Voilà, fête anniversaire en cette clôture de l'année sacerdotale où les prêtres venus très nombreux du diocèse de Paris, vous l'avez vu, plus d'une centaine avec les 50 séminaristes sont venus participer à la messe et puis vénérer les saintes reliques de la Passion et particulièrement la couronne d'épines. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de vivre cette célébration en direct. Merci à vous tous de votre fidélité et bonne soirée.